Alléluia, shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de toute chair, le Dieu de toute âme, le Dieu de tout esprit. Et une fois encore, je suis devant vous pour vous présenter et les requêtes de prière de ce mardi 2 août 2022 et entrant dans le cadre de la prière matinale et initiée par notre Seigneur, et recommandée par notre Seigneur Jésus-Christ pour maintenir la flamme de réveil toujours allumée, pour empêcher l'ennemi de venir semer, Alléluia. Donc vous allez retenir d'abord le programme suivant. On a commencé le lundi, donc aujourd'hui, mardi, et voilà, on a fait aujourd'hui mardi, donc demain à 4h, nous avons la prière qui commence à partir de 4h et à 6h, GMT, et jeudi aussi de 4h à 6h, GMT. Et maintenant, le vendredi, on aura jeûne et prière. Voilà, qui commence le vendredi et jeûne et prière. Donc, le vendredi de 4h à 6h, nous avons prière. De midi à 14h, on a prière. Et de 0h à 2h, on a prière. Donc, ça rentre déjà dans samedi. Et donc, le samedi, de midi à 14h, on a prière, et de 22h à 0h, on a aussi prière. Jusqu'au le dimanche, on fait le culte à partir de 9h. Donc, voici, je vais vous présenter les requêtes de prière. Alléluia. Et donc, la prière matinale de ce mercredi matin est intitulée Devancer l'aurore, devancer l'aurore. Donc cette prière va commencer à partir de 4h jusqu'à 6h GMT. Et le texte de base est à proclamer à la fin de cette prière. C'est le psaume 108. Psaume 108. Les requêtes de prière en point 1. Numéro 1, vous allez prier, rendre puissamment grâce à Dieu pour sa main de protection sur toi et sur ta famille au nom de Jésus-Christ. Le point 2, tu vas prier, dis infiniment merci à notre Seigneur Jésus pour sa main de protection, de grâce et d'amour sur l'Église. Jésus revient à travers le monde entier. En point 3, tu vas prier et dire merci au Seigneur et dire merci au Saint-Esprit pour ce moment de prière avant l'aurore révélée et pour son Église à travers le monde entier. En point 4, tu vas passer quelques moments de louange, environ 10 minutes de louange. Alléluia. En point 5, tu vas prier, remercier le Seigneur pour sa main de protection sur les petits-enfants de Jésus revient au nom de Jésus-Christ. En point 6, tu vas prier et invoquer le Saint-Esprit à conduire ce moment de prière à l'instant partout dans le monde entier au nom puissant de Jésus-Christ. En point 7, tu vas prier et tu vas faire prier et se repentir de tout péché ou iniquité selon que la parole déclare dans le livre de 1 Jean chapitre 1 le verset 9 qui dit « Si nous confessons nos péchés,
Jésus-Christ est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. En point 8, vous allez prier, demander pardon au Saint-Esprit pour toutes les fois où dans chaque église, dans chaque maison, un serviteur de Dieu ou un chrétien de Jésus revient à blasphémer contre le Saint-Esprit. Vous priez ainsi au nom de Jésus-Christ. En point 9, vous allez prier et demander pardon pour toutes les fois où un don spirituel a été méprisé ou rejeté dans une église. Jésus revient au travers le monde entier au nom de Jésus-Christ. Au point 10, vous allez prier, déclarer que tous les enfants de Dieu, de Jésus revient, s'affectionnent aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, selon que le livre de Jean, chapitre 3, le verset 2, qui dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » En point 11, vous allez passer quelques chants d'adoration, environ 5 minutes. En point 12, vous allez prier et déclarer l'unité entre tous les hommes de Dieu et entre tous les serviteurs de Dieu de Jésus revient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 13, vous allez prier et déclarer entre tous les chrétiens de Jésus revient dans toutes les églises et dans toutes les cellules au nom de Jésus. C'est-à-dire, vous allez prier, déclarer et qu'il y ait la paix entre tous les chrétiens de Jésus revient dans toutes les églises et cellules. Jésus revient à travers le monde entier. En point 14, vous allez prier et déclarer l'unité dans tous les groupes d'évangélisation. Jésus revient au nom de Jésus-Christ. En point 15, vous allez chanter un chant de combat. Et point 16, vous allez prier que la main puissante du Seigneur Jésus-Christ détruise toute semence des sorciers, des mystiques, des satanistes dans les églises. Jésus revient à travers le monde entier au nom de Jésus-Christ. Au point 17, vous allez prier que toute montagne de sorcellerie qui s'est élevée au devant du groupe Jésus revient à travers le monde entier soit aplanie au nom de Jésus-Christ. Point 18, vous allez prier que toute montagne de sorcellerie familiale qui s'est levée au-devant de chaque enfant de Dieu du groupe où Jésus revient soit aplanie par la puissance du Saint-Esprit, selon qu'il est écrit dans Zacharie chapitre 4, le verset 7, « Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplanie. » En point 19, vous allez prier que toutes les confréries de sorcellerie dans les églises, Jésus revient, soit démantelé par la puissance du Saint-Esprit et par les anges de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. En point 20, la Bible déclare dans le livre de Ésaïe, chapitre 63, le verset 19b, je cite, « Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes se branleraient devant toi. Nous allons prier ainsi que le Seigneur déchire les cieux et descende dans chaque église. Jésus revient et dans la maison de chaque enfant de Dieu afin d'ébranler toute sorcellerie au nom de Jésus-Christ. En point 21, vous allez prier que toute flèche de sorcellerie envoyée contre toi et contre l'église, Jésus revient, retourne à l'envoyeur et l'atteigne en pleine poitrine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 22, tu vas prier que le feu du Saint-Esprit purifie toutes les églises et cellules. Jésus revient à travers le monde entier de tout ce qui a été enterré et planté contre comme malédiction, échec au nom de Jésus-Christ. Je reprends cette requête. Tu vas prier que le feu du Saint-Esprit purifie toutes les églises. Jésus revient et cellule à travers le monde entier. Et de tout ce qui a été
enterré et planté comme malédiction, comme échec au nom de Jésus-Christ. En point 23, tu vas prier que les dons de révélation, parole de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits, soient puissamment manifestés par le Saint-Esprit dans toutes les églises. Jésus revient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au point 24, tu vas prier que le Saint-Esprit manifeste sa puissance de gloire afin que les dons de puissance, dons de foi, dons de guérison, dons d'opérer des miracles soient puissamment en action afin que des malades guérissent, que des morts ressuscitent et que des miracles s'opèrent au travers toutes les églises. Jésus revient au nom de Jésus-Christ. Au point 26, la Bible déclare dans Marc chapitre 14, le verset 27, je cite, « Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. » Alors nous allons prier pour la maison de l'homme de Dieu, l'évangéliste Jean Chrétien, votre bien-aimé, afin qu'elle soit protégée par l'armée des cieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que lui-même, sa femme et tous mes enfants, voilà, moi, ma femme et tous mes enfants, soient sous la protection du Seigneur Jésus-Christ. Vous faites cette prière en notre faveur au nom de Jésus-Christ. Au point 27, vous allez prier. Et que le Saint-Esprit protège les autres hommes de Dieu. Apôtre Paul, docteur Silas, le pasteur Apollos, et prier pour leur mariage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au point 28, prier et glorifier le Seigneur pour tous les sujets qui ont été portés et que déjà soient exaucés au nom de Jésus-Christ. Au point 29, vous allez proclamer le psaume 108. En point 30, enfin, vous allez faire prière de fin, prière de clôture avec un chant de louange. Bénissez le Seigneur. Que la bénédiction du Très-Haut, notre Seigneur Jésus-Christ, soit sur chacun de vous, dans chaque maison, dans chaque vie, dans la vie de chaque homme, dans la vie de chaque femme, dans la vie de chaque enfant, à tous les niveaux, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, étends ta main dans la vie de tes enfants partout, dans toutes les maisons. Jésus revient où ce réveil est connecté. Et Seigneur Jésus, Papa, je te prie, Papa, de visiter tes enfants, Seigneur Jésus, et ceux qui sont encore dehors en train de se perdre dans les églises de la voie Laz, Seigneur, je te prie, Papa, de les visiter aussi et de les amener dans ce bateau de la fin et que toi-même vraiment, tu les enseignes, que tu les délivres, que tu les guérisses et que tu les prépares pour ton retour. Seigneur, si la trompette sonne cette nuit, je prie, Papa, que tous tes enfants à Jésus revient et au-delà, qui sont en préparation pour venir à Jésus revient, soient enlevés dans ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis et que ton Esprit Saint, Papa, accompagne toutes ces requêtes de prière et que toutes ces requêtes de prière soient scellées par ton sang précieux. Merci Seigneur d'avoir exaucé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié. Amen. Il a tout fait. Jésus a tout fait. Le roi des rois, il a tout fait. Merci Seigneur, c'était votre bien-aimé, l'évangéliste Jean Chrétien du groupe Jésus revient. Shalom, shalom. Merci.